nouveauté. Pour Azeroth. Ferai mon possible pour vous aider. Conserve la couronne. Le moment est venu de suivre Zaval jusqu'au cœur de l'ombre terre. Nous retournons aux Zereth Mortin à mettre un terme à cette histoire. Combattez iront jusqu'au bout. Je ne peux pas l'utiliser. Bon, ça va se retrouver du coup dans. Non, ok, très bien. Bon, bah écoutez, ce sera pour une prochaine fois. En attendant, bah moi je vais remettre en vente du coup le chaperon là, le chaperon de corral, parce que je l'ai acheté alors que voilà. Hein. On va faire ça vite zef. Avez-vous des antiquités à céder? Je collectionne les objets de plus de 2 siècles. Tu vas mettre en vente aussi les derniers trucs qu'il y a, ouais. Ça... Hop. Allez. Si vous trouvez des objets exotiques, apportez-les-moi. Et on a. Hop. Ah, peu de pognon récupéré, même trop fort. Bon. La victoire nous attend. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi. Bien, donc, je suis revenu de clientèle, on reprend. Merci. Quoi qu'il arrive, nous ferons front. Ok. Il faut restaurer l'équilibre. Et en fait, ben... Chacun d'entre nous porte sa croix. Ben, je suis Keblo. Ah, non. Je suis tout oui. Voilà la quête suivante. Aime les jeux, normalement, quel soulagement, c'est... Firim qui m'envoie à votre rencontre, c'est l'oracle, c'est difficile à expliquer, il vaut mieux que vous constatiez par vous-même, venez vite, rendez-vous au creux de l'exil pour savoir ce qui arrivait à Seusa. Ok, d'accord. Attendez, je vérifie juste que ouais, mon son fonctionne, tout fonctionne. Creux de l'exil. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas. Je vous retrouverai là-bas. Hâtez-vous! C'est ici, c'est à Zereth Mortis, du coup. Je n'avais encore jamais assisté à un tel phénomène. Il y a sûrement un sens caché. Sans entrave, vous re... Attendez, qu'est-il arrivé à Pocopoc? Je l'avais oublié, cette petite merde là. Bon. Je percerai lorsque Pocopoc réagit à la présence de Laura. Je dois comprendre la nature de leur lien. Percevez-vous les schémas? Les fractales? La mélodie des sphères. L'énergie qui émane de l'oracle a augmenté graduellement jusqu'à former le grand schéma que voici. Un peu après, un terrible vacarme prit nos oreilles d'assaut. J'ai plusieurs fois tenté d'approcher les fractales en vain.
J'ai cependant remarqué que Pocopoc semble y réagir. Vous qui avez une relation spéciale avec elle, vous aurez peut-être plus de succès que moi. Examinez les fractales qui entourent le corps de Saizura. Vous avez absorbé son énergie? Pouvez-vous m'en décrire les effets? Examinons vite le reste. C'était très très chelou. Vous interrompez mes recherches. Zerès Mortis abrite des secrets remarquables. Laissez-moi. Ok. Je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Je sais plus combien je l'ai payé. Hein? Votre sans champ impossible? Ah non, donc je l'avais déjà ce truc. Mais je l'ai looté où? J'ai dû le looter. Parce que là, c'est lié qu'à ramasser. Bon, bah, du coup. Ouais, de toute façon, on prendra celui-là. Hein. Alors. La voix de la vision s'exprime à travers Pocoploc, mais reste distante et déformée. Je me nomme Sezoa, je suis l'oracle, cet automa. Porte ma voix, elle agit selon ma volonté. Pour l'instant, le schéma est déchiré, perturbé, il doit être réparé. Une grande faim envahit les sables. Ce qu'elle convoite ne doit pas être dévoré. Voyagez à mes côtés, suivez ma voix, accompagnez Pocoploc jusqu'à comprendre votre vision. Bon. L'oracle. Elle nous parle à travers Pocoploc. En sommeil, cherche sa voix. Ascension. Allez-y, je vais rester avec Firim, le temps qu'il se remette de sa vision.
profanation. Le schéma disséminé en fractal. Ils absorbent le pouvoir sans le comprendre. Le réceptacle attend au sommet. L'absence pesante, le vide appelle la ruine. La terre nourrit, la terre a soif, des envahisseurs dévorent ce que nous recherchons, récupérer ce qui a été consommé, absorber ce qui reste en abondance. Les ailes ont besoin du vent pour voler, nous avons besoin d'énergie pour prendre notre essor, éliminer les ennemis, le ray instable ou... Imprégnez-vous de la puissance des bassins pour récupérer de l'énergie cosmique et renforcer Kopok. Okay. Ainsi font les dévoreurs. Avant, ils avaient un sens pour l'équilibre. Maintenant, transformés, altérés, dissonants, ils déchirent le schéma intolérable. Leur élimination est la seule issue. Tuer les dévoreurs mutés au plus raisonnant. Je n'ai pas de suivi. Il me faut une cible. Je n'ai pas de cible.
Ah, pas cool. Pas cool. C'est la déconnexion. Ça sent la déconnexion. Eh ouais. Bon bah, tout de suite. Je n'ai pas compris. J'ai été déconnecté et le problème vient de ma box. Ce n'était pas le serveur, c'était ma box. Alors, les cryptogrammes sont la clé. Chacun représente un jalon le long du chemin. Vous devez tous les retrouver. Entrez dans la chambre intérieure. L'agencement du premier locus vous y attend. Et on se fait attaquer. Allez. Et bien sûr, vu que j'ai plus mon marcheur, il avait ça de libre. Ouais. Bon, de toute façon, je suis full power, du coup, voilà. Hop, on va reprendre ceci. Qu'attendez-vous? Là, je suis zoomé à fond, j'aimerais dézoomer. Nickel. Qu'on puisse mieux voir l'environnement. Donc non. Ok, donc là j'ai pu monter un petit peu. Sur le mur, attend le premier cryptogramme. Suivez les automates. Ah. Ça y est, on va pouvoir avoir les fly. Ok. Ok. Ok, j'ai saisi l'idée. Oh, d'accord, ok. Ok. Ah.
Ce secteur est truffé de tas de pierrailles. Les dévoreurs ont fait suffisamment de dégâts pour dissimuler le cryptogramme que vous cherchez. L'un des serviteurs proches pourrait peut-être vous aider à débalayer les gravats, détruire les gravats qui bloquent l'accès. Okay. Le passage obstrué par les dégâts. Éliminez tout comme ça. Attendez, faut que je comprenne. Vous créez un champ de confinement qui rend les créatures qui s'y rendent inoffensives pendant 30 secondes. Ok. Barrière d'urgence. Vous protégez l'automa grâce à une barrière d'urgence. Absorbe 68. D'accord. Okay. Et j'ai l'impression que je gagne du cosmos en restant immobile sur place. Ok, bon, malheureusement, je peux pas trop me défendre. Et puis surtout, pas facile à diriger. Bon. Je peux pas, si je peux en sortir, quitter. Ouais. Putain, non. Faut que j'y retourne. Ah non, mais genre, si je quitte le truc, en fait, je... D'accord, ok. Bon. Eh merde. Eh ben, j'ai de la chance. Le pire dans cette histoire, c'est que j'ai de la chance. Je vais reprendre de la cosmo-énergie. On va les laisser se battre. Nous on récupère les énergies, voilà.
Bon, ça va être un petit peu long, hein. J'ai l'impression que surtout la phase là où on va devoir détruire des trucs, sachant qu'il y a des ennemis partout, ça va pas être fa facile. Putain, ils déconnent zéro les machins. Non mais il repop trop vite en plus. Ok. Bon, on va tenter. Ok, puis je peux pas... Ok. Ok, en fait, c'est comme ça qu'il faut se la jouer.
d'accord. Donc ça, c'est finalement, c'est réapparu. Ok. Les gravats, c'est bon. Du coup, apparemment, faut que je sorte maintenant. Il est où Ah. Ok. Nouveau trajet. Et j'ai perdu Robocop là. Ah, il est là. Pierre par pierre. Non mais reviens toi, contrôle 2. Hop. Quoi, il veut pas nous lâcher? Bon bah. Pour sa gueule, hein, qu'est-ce que tu fais? Donc on a 3 symboles pour le moment, hein. Il y en a encore 4 à choper. Ok. Ok, donc ça c'est pas très compliqué, c'est là-bas. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Actuellement occupé à combattre. Oh. Oh. Ils vont te lâcher, non? Bon, il y en a qu'un qui veut pas lâcher. Si ce n'est qu'un. Ouais, par contre, attaque un peu quand même. Juste récupérer un petit peu de d'énergie là parce que en fait, c'est assez étrange, ils deviennent agressifs de façon un peu random. Bon.
paraît compliqué. Ok, en fait, c'est pas qu'ils sont, enfin, qu'ils deviennent agressifs. Ils sont agressifs par défaut et il y a les créatures là qu'apparemment qui les rendent passives. Apparemment, c'est plutôt ça l'histoire. J'ai pas récupéré le symbole ici du coup. Hein. Comment je peux faire? Non. Attends. Je l'ai eu le symbole ici? Ah oui, je l'ai eu. Là, j'ai rien dit. Il me semblait pas. Le syncus intérieur. Ok. On est au tersus. Secondus, primus, tersus. Et du coup, celui-là, le quintus. Ouais, évidemment, je. Bon, le quintus. Ok. Je vais récupérer tout de suite l'énergie qu'il y a ici. Mince. Trop tard. Du coup, il faut que je récupère. Bon, on va profiter de... Ah, bordel, il est là. C'est bon. Il le faut aussi. D'abord choisir une cible. L'ultimus. Primus, secondus, quintus, l'ultimus.
Ok, j'ai compris le truc. En fait, faut pas que mon marcheur il intervienne. Si mon marcheur intervient, ça fout la merde. Parce qu'en fait, les robots, les espèces de trois gardiens là qui envoient des ondes là, ils sont là pour calmer les mobs en fait. Et du coup, on profite quand ils butent des mobs pour récupérer de la cosmo-énergie là. Ok. Bon, on va récupérer toute l'énergie qu'on peut. Et donc là, pareil, je sais pas ce qui lui arrive. Instabilité cosmique. Donc en fait, au bout d'un moment, ils deviennent instables. Et quand l'instabilité est à 100%, et ben, ils deviennent agressifs. Ok, je comprends l'idée. Bon, là je suis au max. Qu'est-ce que je dois faire là? Je dois ouvrir ce truc là, non? Ok, je dois revenir à l'origine en fait. Ok, on est ok. Trois verrous sur la porte, trois clés cachées sur. Trois clés cachées au zénith. Trouvez les formules, prononcez-les et emparez-vous du réceptacle. Inspectez le locus ultimus et obtenez les formules d'accès nécessaires pour récupérer le résultat. Une porte à trois clés cachée parmi les Oh mon dieu, c'est la Triforce. Ok. Je regarde un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Hein. Évidemment. Un réceptacle vide. Un rôle vacant. Tous deux doivent être remplis à nouveau. Ah, et du coup.
Une grande force va de pair avec une grande faim. Les insatiables dévoreurs escaladent les falaises en quête de nourriture. Ils envahiront bientôt le plateau, dévorant tout sur leur passage. Le réceptacle sans pouvoir, nous ne pouvons pas les laisser faire. Utilisez l'automa, faites taire leur hurlement affamé. Utilisez Pocopop pour défendre le réceptacle face aux dévoreurs. Oh putain.